Bonjour et bienvenue sur KJ TV, un nouvel épisode de KJ Town. Bonjour mon petit capitaine. Oui, alors nous sommes actuellement en présence d'un bar. Un bar est un poisson un peu étrange car nous le retrouvons souvent en tant que pilier. Pardon. Oui, bien sûr, oui. Mais encore. Aïe aïe aïe. Tiens, en parlant de trucs bizarres. Tout le monde, en fait. Hein. Ouais, bref, tu peux leur dire bonjour, sinon à la fin, ils vont plus t'aimer. Hein. Oh. Je me rappelle de la première vidéo où t'étais là. Je sais même pas si j'apprécie vraiment. Voter un pour qu'ils partent. Ah oui, si les captains reviennent. Voter 3 contre le fouet. J'ai vu que tu discutais avec certains. D'ailleurs, il y a un viewer qui maintenant fait partie du clan Diablo. Ah, il vous a rejoint. Ouais, il nous a trouvé. Dans la vidéo, on avait dit si vous nous trouvez. Tag du clan, et il nous a trouvé. Et puis, du coup, il était assez sympa et on l'a gardé. Oh. Bah, moi, par rapport à ça, tu vois, je trouve ça super sympa de discuter avec les viewers, tout ça. Mais dis-toi que j'ai. Alors, sur certains jeux, sur Hearthstone par exemple, j'ai une centaine de demandes de contact par jour. Donc, je suis obligé de virer des gens. Je suis désolé, je peux pas tous vous accepter malheureusement parce que ma liste est pleine en fait. Donc j'accepte quand je peux. Alors après, je m'excuse aussi par rapport à ceux que j'enlève. Boulé, va. Je suis désolé. Hein. Yeah. C'est facile, mais il fallait que je la fasse. Hein. J'étais en train de m'excuser. Bon, donc oui, donc je m'excuse parce que par rapport à ceux que j'enlève, etc., des fois sans prévenir, mais bon, j'essaie de satisfaire le plus de monde possible. On va attendre 2 secondes le temps que tu fasses ta blague, non? Non, je dirais rien. Tiens, en parlant de satisfaction, je suis tombé sur un truc qui va te faire rire aussi. Ah. Alors, je suis tombé sur un truc, en fait, c'est des sites de rencontres improbables. Alors, tu connais les sites de rencontres, je suppose? Ouais. Je voilà. Et en fait, c'est alors, les gens vont dire, ouais, oh là, il connaît trop, là. Oui, non, oui. Juste oui, parce que si je continue, ouais, je connais. Bon, en même temps, honnêtement, vu le nombre de publicités que tu as de partout... Oui, mais même pas qu'à la télé. Moi, je regarde pas la télé, mais je me balade dans les rues. Je vois des affiches de 4x3 pour les sites de rencontres. Les sites de rencontres spéciales juifs, les sites de rencontres spéciales chrétiens, les sites de rencontres spéciales musulmans, les sites de rencontres... Oui, c'est pour les points... Bon. Et du coup, je suis tombé sur un article qui répertorie les sites de rencontres les plus bizarres. Oui. Je crains. C'est... Voilà, pour trouver l'âme sœur, tu vois... Il y a des gens... enfin, c'est, en même temps, voilà, comme on disait, c'est, à mon avis, il doit y avoir des milliards en jeu, quoi. Le domaine de la rencontre... bref. Donc, ils sont toujours de plus en plus nombreux et variés. Hein. On a vu qu'il y avait les sites de rencontre suivant ta religion, je crois que c'est suivant ton parti politique, enfin, il y a plein de choses. Oui, ton parti politique. Et du coup, j'ai récupéré la liste de ça. Attention. Es-tu prêt? Je vais commencer à énumérer ce genre de trucs. J'ai peur et je t'écoute à la fois. Alors, déjà, ça commence soft, c'est les Green Lovers. Ah, les fans de Green Lantern, c'est... Non, c'est pour les fans, je pense que c'est plutôt pour les, comment dirais-je, les écologistes purs et durs, pour les amoureux des arbres, tu vois, des fleurs, du soleil et tout ça. Donc ça, moi, c'est gentil, on va dire. Comme tu dis, ça fait un point commun. Oui, voilà, et puis ça peut être soft et très bien. Ensuite, un site s'appelle Date My Pet. Enfin, je vais peut-être arrêter de dire les noms pour éviter de leur faire de la publicité. Il y a un site où, en fait, c'est des rencontres pour les animaux à la base, mais aussi pour les maîtres. Tu vois, t'as un animal, tu veux rencontrer quelqu'un. Passionné d'animaux. Ouais. Enfin, par contre, pour les animaux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Oh, un peu passionné d'animaux, ça peut devenir gore. Oh non, pas ce genre de passionné, s'il te plaît. Ah, écoute, c'est possible. Oh là là. On va se faire interdire, hein. Bon, à part les Russes qui m'ont cassé les couilles, ils ont jamais rien dit pour mes vidéos. Hein. Il y a pire que moi, je pense. Enfin, que nous. Ouais, après, t'as un truc, ça va te plaire. Enfin, peut-être te plaire, ou t'interpeller. Ah, attends, toi qui aimes le métal. Tu aimes le métal, n'est-ce pas, mon ami? Oui. Voilà, il y a des sites de rencontres pour gothique. Tu sais, les trucs qui parlent tout le temps de suicide et qu'il faut mettre dans des tons. Non, à côté de ça, les filles gothiques... Attention, alors là, par contre, on va pas être copains très longtemps si tu pars comme ça, un gothique. Tu parles avec quelqu'un qui parle de suicide, etc. Ça, c'est... Non, après, je dois avouer. Le gothisme est un mouvement avec une idée bien particulière. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et arrêtez-vous à ça. D'accord. Alors, je m'arrête à autre chose. Les gothiques filles, elles sont bonnes. Non ? Non, c'est pas... Parce qu'elles sont très maquillées, etc. Il y a beaucoup de choses. Non, généralement, elles sont... Franchement, elles sont...
J'ai eu la chance et la joie, surtout la joie, J'ai peur de ce qu'il va nous dire, hein. de rencontrer et d'être avec une gothique. Et non, non, c'est pas. Tous les clichés sont pas forcément vrais. Bon, elle était Ah un peu ben suicidaire aussi, quoi? mais. Oh. Non, non, mais après, voilà. Après, franchement, j'ai connu des gothiques qui aimaient la vie encore plus que d'autres. Hein. Faut Ah l'avouer oui, bah, aussi. attention, Mais bon, c'est pas non plus c'est. il y a beaucoup de gens, un certain, on dirait, fanatisme, dans genre fasciné face à la mort ou des trucs comme ça. Mais c'est pas parce qu'on est gothique qu'on est taré ou je ne sais quoi. Hein. Je l'ai été pendant longtemps, je suis désolé, je suis tout à fait Bah, normal. après, on va dire Pardon. qu'il y a des Mais gamins, c'est très. non, c'est vrai que Voilà s'il faut quoi. faire attention là-dedans, c'est à pas catégoriser. Mais Comme c'est M6, par exemple. pour revenir à ce que tu disais, parce que là on est en train de dégriver, Oui. de diverser sur autre chose, du coup, site pour gothique, oui, je suis pas spécialement étonné. Dégriver, c'est. On rejoint le site sur les animaux. Je vous montre, il y en a un sur la taxidermie. Attends, on va voir, je vais continuer la liste, hein. Mais pourquoi pas, pourquoi pas? Non mais oui, mais après les gothiques, comme je disais, moi, les gothiques, faut avouer ce qu'il y a, il y en a beaucoup qui, en plus, elles savent s'arranger et tout, elles sont magnifiques. Mais bon, bref, passons. Oui, j'ai des souvenirs et des images dans la tête de Nénette. Non, n'en parle pas à ma femme, c'est pas la peine. Je sais plus comment où elles sont. Bref, on s'en fout. Un autre site qui peut être marrant, mais alors là, par contre, je ne connais pas, j'en ai jamais connu, c'est un site de puceaux et de pucelles. Oh, Donc, c'est pour trouver le bah du grand coup, amour. Hein. le mec il va dessus, hop, il fait une rencontre, fini, hop, il n'y a plus qu'à aller sur Ah l'autre. ben ah oui voilà en plus hein, mais bon. Après j'imagine qu'ils attendent le grand Non, amour et c'est tout hein, surtout, mais. c'est ce que c'est, hein, c'est surtout un gros, voilà, Oui le non meilleur mais. endroit pour faire une rencontre d'un soir, quoi. T'imagines quand même le. Oui mais après c'est peut-être le but du site. Non, mais il y en a qui Oh. sont comme ça. Ensuite, tu sais, il y a des vrais couples. Moi, je connais des vrais couples. Je Tu as suis peut-être attendu pas le d'une chose mariage? particulière. Je connais des vrais couples qui sont faits par site de rencontre. Ah oui non mais ça après. Bref. Après t'as un site, c'est Alors attention, t'es prêt? Oui. C'est ouais. C'est par rapport à ton plat préféré. Ah. De bouffe. C'est. Pourquoi pas, Ça, j'ai envie de c'est dire, mais. excellent, ça. Ah, c'est un concept, mais bon. Ah ouais, mais j'aime bien l'idée. C'est après avoir fait cuire des bébés pour Halloween. Quel est ton plat préféré? Des poupons. Hein? Quoi? Tu es gothique, toi, par hasard? Non, je vois pas ce qui te fait dire ça. Non, hein, tu te Ah, mais il demandes? y a du concept. Non, non, là, c'est gore. Mais alors, pour remettre quand même dans le concept, hein, c'est oui, je Dans le reparle un petit contexte. peu le contexte. C'était une idée pour Halloween de faire une espèce de rôti en forme de poupon, mais c'est un Ouais, autre voilà, problème. pour faire un truc vraiment. Voilà. Et si on ne mange pas de coupons. Voilà. Oula, putain, je suis en train de voir la liste en même temps que je te parle, mais il y a des trucs, je sais même pas si je vais les dire. Bon, bref, on continue. Il y en a un, c'est un site de rencontre pour les fans de Jessica Rabbit. De qui? Jessica Rabbit, c'est la Non, pas du tout. nénette Ah rousse oui, si. dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, quand même. Et c'est la femme de Roger Rabbit. Oui, bon après j'avoue qu'elle est rousse, qu'elle est bien, qu'elle est tout ce que tu veux, mais si de rencontre là-dessus, c'est spécial, on va dire. Bah moi j'ai vu une nana dans un cosplay qui était habituée Ah, oui, mais enfin, habillée faut. en Jessica Rabbit, chapeau, hein, Ah oui, franchement, non, bah, on va c'est presque comme dire que les. c'est lui, mais De temps c'est en lui. temps, je regarde les cosplays de League of Legends aussi, les nénettes, wow. Ah oui, il y en a qui sont. Oui. Bah, il y a des mecs qui le font très bien aussi. Mais bizarrement, on apprécie plus les. Ouais, mais ça, je pense que c'est parce qu'on est des mecs en fait. Avec Parce que. ça. Et puis Putain, après, t'as des mecs qui se déguisent en nénettes et tu dirais des nénettes aussi. oui, ah non, mais oui, d'ailleurs, faut se méfier, hein. Ouais, enfin. D'ailleurs, à mon avis, celui à qui je pense, je me rappelle plus de son nom, donc je vais éviter de mal le prononcer, de l'écorcher. Mais je croyais que c'était une nénette au départ. C'est un présentateur de télé sur No Life. Donc tous ceux qui connaissent No Life savent très bien de qui je veux parler. Qui n'est plus sur No Life d'ailleurs. Qui a monté une chaîne YouTube aussi, enfin bon, on s'en fout. Et la première fois que je l'ai vu, je pensais vraiment que c'était une nénette. Bon, après, il s'est Ouais. avoué qu'à mon avis, c'est un gros homosexuel trans, mais bon. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Tout à fait, tout à fait. Mais quand je l'ai vu, je croyais vraiment que c'était une nénette, quoi. Il est famélique, il est tout ce que tu veux, c'était. Il est Bon, quoi? enfin. Famélique. Efféminé, si tu préfères. Je connaissais pas le terme, tu vois. Tu viens de m'apprendre un terme. Alors attention, t'es prêt pour le prochain site de rencontre? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il va faire peur celui-là. Ouais. Un site de rencontre spécial pour moches. Oh, c'est nul! Avec sélection à Oh l'entrée. non, mais Je avec te. sélection à l'entrée, si vous n'êtes pas moche, vous ne pouvez pas participer à C'est ce truc, ça. c'est nul! T'imagines? Oh putain!
C'est complètement con, ça catégorise, ça je trouve ça Ah dommage. oui, non, mais attends, tu vas voir, il y a encore pire après. Hein. D'accord. Est-ce que Non, t'es ça je trouve prêt? ça, ça je suis pas franchement pour. Franchement, je trouve ça dommage parce que ça catégorise trop, quoi. Et c'est un. À moins Ouais, mais de. enfin bon. Enfin, Après, tu je sais sais, il y en pas. a beaucoup qui se pensent moches et qui ne le sont pas. Enfin, je pense à des nénettes surtout. Parce que les mecs, généralement, ils s'en foutent. Mais il y a des nénettes, elles se pensent moches alors qu'en fait, c'est qu'elles savent pas s'arranger et qu'elles veulent pas vraiment s'arranger non plus, mais qu'elles sont magnifiques, Et quoi. les mecs, c'est comme ça aussi, hein. Oh non, mais les mecs, généralement. Bref, Bah c'est nous un on autre cherche souci. pas parce qu'on est voilà on n'est pas grand chez mec mais les mecs c'est comme ça aussi. Oui. Bon, après, on passe tous par ces périodes-là aussi, hein, je pense, à essayer de s'arranger tout ça aussi. Enfin bon, après, t'as un site de rencontre entre fumeurs. Fumeur. Fumeurs, c'est pas précisé quoi, mais fumeurs. Fumeur, d'accord. Écoute, qu'est-ce que tu Ouais, bon, fumes? pourquoi pas, je sais pas si c'est une histoire de passion ou autre, mais ouais. Bah après, il y a tellement de gens qui sont anti-fumeurs. Enfin, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, vu que tu es fumeur comme moi. Hein. Tu rencontres une nénette, elle te plaît, machin, tout ce que tu veux. Et puis là, d'un coup, elle se rend compte que t'es fumeur et ça bloque. Parce qu'elle dit, ah non, moi je pourrais jamais être avec un fumeur, tout ça. Ah non, moi j'ai Ou jamais fumé. inversement. Hein. Mais ouais, non, il y en a qui sont vraiment qui exècrent ça. Mais c'est souvent parce Ouais. qu'ils ont une histoire derrière avec ça, y a un rapport, y a une histoire qui fait que. Moi, je m'étais arrêté de fumer, tu vois. Je suis ressorti avec une fumeuse. Enfin, je suis sorti avec une fumeuse, ça m'a fait reprendre la clope. Hein. C'est con, mais. Cactus. Ah Cactus? bon. Cactus, alors. Écoute. Tiens, d'ailleurs, en parlant de C'est cactus, juste le un cactus. prochain va. Non, mais c'est bien, ça me fait une transition toute trouvée, tu vois. Les rencontres entre agriculteurs. D'accord. C'est. J'ai envie de dire, ça fait penser à l'amour est dans le pré, mais bon, c'est. Voilà. Bah, oui, mais ce qui est dommage en fait entre agriculteurs, c'est que du coup tu restes dans certains domaines. Et ce qui est bien dans les sites de rencontres, hein, ça je ne dénigre pas, c'est que du coup ça permet la rencontre de choses et surtout pour des personnes De timides. choses. Non mais ça va, t'es méchant quand même. Non, C'est parce mais qu'on parlait de si, moche, c'est non, ça? c'est que je voulais en fait, j'ai mélangé deux phrases, il y en a une que j'ai arrêtée pour prendre l'autre. Ce que je veux dire, Ah. c'est que ça permet à des gens qui ont voilà, une certaine timidité, par exemple, qui ont plus de difficultés à aborder, à faire des rencontres, ça permet justement un peu plus de facilité pour eux. Par contre, catégoriser de façon radicale, un peu comme tu es en train de nous faire le listing, là, c'est bien, je trouve, mais je pense que ça peut avoir enfin, ça peut avoir un avantage parce que les gens se retrouvent autour d'une passion, des mêmes idées, etc. Mais ça peut avoir, je pense, un frein dans le sens où ça empêche le melting pot, quoi. Oui, mais après, les gens maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment envie de. Moi, je pense que le melting. Enfin, de toute façon, quand t'es en couple avec quelqu'un, dans tous les cas, c'est que t'as forcément des points communs avec cette personne. Ah bah forcément. Que ce soit le Alors, gothique, oh. la fumée, être moche, j'en sais rien, tu vois, tout ce qu'on vient de citer. Mais. Comment dire, c'est. Voilà, après, ça n'empêche pas que sur d'autres points, on soit totalement différent avec la personne en face, quoi. Mais bon. Bon, bref, sur ce. Après ce truc sérieux, on va revenir sur Dadget. Le mec, il se dit, à chaque fois, Captain, il apporte le contrat. Mais oui, mais Ben oui, mais pourquoi vous croyez qu'il m'a embauché, ce con? c'est le C'est but parce de qu'il la fallait peut-être qu'il discussion. fasse un peu de contre, voilà, et donc pour le débat, c'est ce qu'il Ben, faut. de toute façon, c'est ce Ça veut qu'il pas dire faut. que je suis pas d'accord avec lui ou autre, hein. Je vais me faire un Oh. spoiler, ils vont dire, lâche-le, il veut lui bouffer Ben, qui des parle? Ça les scrubs fera commenter, tiens. empoisonnés et tout. Tiens, sinon, il y a un autre site aussi qui est pas mal, c'est. Merde, j'allais dire le nom du site. C'est les rencontres à l'aveugle. Ah oui, un petit peu comme ils avaient fait l'émission télé, là, truc dans le noir. On revient à rencontre avec les moches. Et. Oh, Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est que t'es ah, pas sûr de ton physique si tu vas sur ce genre de truc. Après, comme on disait, c'est non, peut-être pas vrai, mais bon. personnellement, je sais que je trouverais ça intéressant. Ah oui, ça peut être intéressant, mais bon. Après, je. Voilà quoi. Je suis content de plus être célibataire, moi, franchement. Il y a des fois. Après, bon, t'as des sites. Je vais accélérer un peu. T'as des sites de rencontre sur les fans de Bruce Willis. Ah oui, mais ça. Ah ouais, fan de. Ah oui. Sur différents T'aurais dit acteurs en Chuck fait. Norris encore, j'aurais compris, mais Bruce Willis. Bah, il y en a qui sont fans de Chuck Norris, oui aussi, mais De Bruce comment ça Willis. s'appelle? Oui, de Bruce Willis. Bah pourquoi pas? En même temps, Bruce Willis est un très bon Oh, acteur. Chulis. J'aime pas forcément tous ses Tom films, Cruise, mais mais. pourquoi pas, j'ai envie de dire. De là, être fan, peut-être pas, mais. Bah pff, après tu sais, fan, c'est un bien grand mot. Il y a fan et fan, hein. Il y a fan fanatique qui vit pour ça, et t'as fan, celui qui aime bien, qui écoute, qui regarde régulièrement. Bah, tu sais, c'est un truc, ça pourrait être intéressant. Pour moi, fan, à la base, je prends le sens premier. Fan, normalement, c'est l'abréviation de fanatique. Donc, quelque part, quand t'es fanatique de quelque chose, c'est vraiment que t'en es plus qu'accro, quoi. Oui, C'est. c'est vraiment faux. T'es une nénette, t'es fan d'un mec, il te dit de te mettre à quatre. Enfin, tu réfléchis pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, c'est gore. Mais. Oui, alors là, justement, faut pas partir dans des extrêmes parce que ça va donner des idées à des mauvais.
c'est pour un rendez-vous avec la personne dont t'es fan, t'es prêt à débourser des milliers d'euros, tu vois, par exemple. Ah oui. Oui, non, j'ai un peu changé l'idée, parce que si, Non, mais c'est je trouve vrai ça que plus grave, oui, mais... t'as ta fan, et effectivement, oui, comme tu dis là. Oui. Puis après, t'as les fans de Johnny, tu vois, qui ont du Johnny de partout. Ah bah oui. Ça Ah bah, aussi, il faut pas faire les t'as choses à moitié, intérêt... sinon c'est pas drôle. Oui, mais t'as intérêt à trouver une fan de Johnny aussi, quoi, parce que sinon... ça rentabilise... Enfin, c'est... Comment dire? Ça explique l'idée, quoi, en tout cas, des sites de fans comme ça de rencontre. Oui, non, mais ça a du bien, mais faut généraliser, faut pas s'arrêter à un seul. Ben, c'est Enfin vrai. bon, dans tous les cas, ouais, du coup, on peut en faire... Enfin, tu peux faire des sites surtout n'importe quoi, finalement. Ben oui. Parce que, comme je disais, j'ai déjà vu les sites pour le parti politique. Ah ouais? Ouais, non, ça, je te jure, c'est vrai. Oui, ça c'est J'avais chouette. vu ça, j'étais sur le cul, parce que c'était un site de rencontre pour les gens qui sont dans l'extrême droite, par exemple. Et la même boîte a fondé, d'ailleurs, l'extrême gauche, etc. Mais tu vois ça, sur la première fois que tu vois les affiches, tu te demandes quand même ce qui se passe. C'est spécial quand même. Ce que je trouve dommage dans ce genre de Pourquoi pas truc, après, ça fait hein? un peu fondons un monde où. Enfin bref, non, je ne vais pas m'extrapoler là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, comme je disais tout à l'heure, je trouve ça dommage que ça ne permette pas le mélange. À moins que. Parce que c'était surtout ça, les premiers sites de rencontre, ça permettait vraiment le mélange. En fait, tu rencontrais des gens, normal, enfin normaux. Tu rencontrais des gens comme tu pouvais les rencontrer dans d'autres lieux, quoi. Oh bah d'ailleurs, il y avait un site de rencontre, je m'étais quand j'avais vu ça, j'avais explosé de rire. C'est un site de rencontre spécialement pour riches. Et ouais, tu vois le prix de l'inscription, tu comprends, tu vois. Oui, mais c'est pour riches, c'est pour ça qu'on fait payer aussi cher. Ouais, bah Ouais. ouais, c'est un Ouais, endroit où on c'est n'ira pas ça, ouais. nous, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr, On va mais jamais se le franchement, payer. c'est un bon argument pour se faire du fric aussi. Ah bah, Si dans c'est voilà bien quoi. sûr. T'avais le site de rencontre pour ingénieurs aussi. Enfin, je te dis, j'en ai vu des vertes et des pas mûres et des trucs vraiment bizarres. J'explore un petit peu à côté, moi, en attendant. C'est spécial, ça, c'est naturel. Non, je crois pas. Ouais, peut-être. Mais oui, non, c'est ouais, il y a vraiment des trucs, des sites de rencontre bizarres, quoi. Voilà, c'est. Et on vous aura fait un petit tour d'horizon aujourd'hui. Bah, après, enfin, je reconnais. Je peux comprendre, tu vois, qu'il faut bien un point commun quand tu veux rencontrer quelqu'un. Hein? Oui, oui, non mais c'est C'est. bah, mieux vaut, effectivement, comme tu disais. Hein. Après, les opposés s'attirent aussi, il paraît, mais bon. Oui, mais faut pas que ce soit entièrement opposé, sinon tu t'attires pas du tout. Je sais pas, je sais pas. Moi, je me souviens d'une nénette, je parlais un peu de ma vie perso. La nénette, le jour où je l'ai rencontrée, je te jure, c'est vrai, le jour où je l'ai rencontrée, j'ai dit une phrase à un de mes très bons potes de l'époque. C'est soit je vais la tabasser, soit je vais me la faire. Et ça a pas loupé. Je l'ai pas tabassé. Mais c'est pour dire que, tu vois, dans le côté. D'un côté répulsion, tu vois. Enfin, je peux pas vraiment dire répulsion, mais d'un côté, il y avait de l'énervement face à cette personne-là. Et d'un autre côté, ça faisait une attirance, tu vois. C'est un peu comme la flamme et le papillon. Le Oui. papillon a envie d'être attiré, même s'il sait que ça va le brûler, tu vois. Mais il y va quand même, ce con. Oui, c'est un papillon. Si. Ben, j'étais un papillon à ce moment-là. C'était un gros papillon. Ah ouais, mais t'aurais vu. Toi aussi, t'aurais été un papillon. Non, non, mais je sais pas. Ça reste une de mes ex la plus bizarre, honnêtement. Je sais toujours pas pourquoi, comment. C'était animal, voilà, on va dire ça comme ça. Quand les choses doivent se faire, ça se fait tout seul. Ah oui, bah ça, oui. Bon, au pire, tu rajoutes un peu de vodka, et puis. Ça finit par se faire Pas aussi. donner des bonnes idées, toi. Non, mais dans le sens où quand t'es un peu alcoolisé, généralement. Quand les deux sont alcoolisés, hein, je dis pas, attention, je mets une nuance, je dis pas qu'il faut alcooliser les nénettes pour. Hein, Ah oui, non, faites pas ça. j'ai pas dit ça. Je dis juste que quand les deux personnes célibataires et consentantes boivent un petit peu d'alcool, des fois ça leur donne des idées. Voilà. Bah oui. Et puis quand on est célibataire, on peut se permettre des choses qu'on peut pas faire quand on est pas. Quand on est en couple. Du moment que c'est protégé et consenti, je vois pas où est le problème, quoi. Très De important partir ça sur un d'ailleurs. truc. Si Bah vous avez écoute. eu des expériences Non, 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 avec non. des sites de rencontres Ah, j'ai eu un peur. peu hors normes, vous en connaissez qui sont marrants, Ou mettez-le avec aussi, des ça serait nénettes cool. hors normes. Ah Hein, non, quoi? putain. Enfin, ils font ce qu'ils veulent et c'est leur vie. Pas obligé de nous raconter ça quand même. Oh, c'est gore. Parce que c'est vrai que là, ce que Gore, tu me gore. racontais, c'était bon. Vous connaissez pas tout, hein. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Site là.
Ah oui, mais le pire, c'est que ça, c'est l'article en question, mais y en a plein d'autres que Ah j'ai mais oui, oubliés. il y en a Mais je énormément. suis sûr qu'il faudrait chercher, tu vois, voir si le site de rencontre des taxidermistes existe. Oh mais oui. Je suis persuadé que ça Cherchez-le, existe. dites-nous s'il existe. Ouais, voilà, s'il y en a quelqu'un. Et puis si vous en connaissez d'autres un peu particuliers, que vous avez vu la pub ou quoi, n'hésitez pas. Ouais, si vous reconnaissez. C'est vraiment, ouais, je suis d'accord avec Captain, ça peut être vraiment marrant à voir. Enfin, à voir. Moi, ça me fait rire, après, À voilà. discuter dessus, hein. Attention, on ne juge absolument pas. Non, parce qu'après, chacun son délire, hein. Ah Écoute. oui, alors Moi, j'aime la taxidermie. Je veux rencontrer quelqu'un qui aime la taxidermie. là. Ok. Mais pourquoi pas? Ça tombe bien, parce que je Bah. connais quelqu'un Qui aime la taxidermie? qui t'aimerait bien, je pense. Ah, Elle aime bon. bien empailler les ours. Non, Qu'est-ce que tu fais? ils vont m'empailler! Ils vont m'empailler! Oui, parce que Je vais me même cacher. c'est un énorme ours. Mais on m'appelle l'ours, le grizzly de la montagne. Alors vous le verriez en vrai. Oh, mon Dieu. Ah oui, surtout pas rasé. Non, mais t'es. Non. On va parler de ça une autre fois. Et en plus, j'ai maigri, je suis plus un gros nounours. Oh. Ouais, ou alors après l'hibernation. Oh. Ah oui, non, mais. Enfin, c'est. Comment dire? D'ailleurs, c'est bientôt la fin de l'épisode, donc on pourra en parler hors quoi. Mais c'est vrai que oui, en un an, je crois que j'ai perdu 30 kilos, 30-40 kilos. Donc ouais, non, j'ai bien maigri, hein, faut pas croire. Notre Tiken devient. J'ai perdu une bonne Ah partie de mon ouais, on corps, s'en là, je. fout, c'est pas la question. Voilà. On J'ai deux a bien, on a métabolismes. quand même un peu avancé, on a fait. Ah, mais la façade est vraiment bien, moi, je trouve. J'ai pas mal avancé sur la façade là. J'ai voulu faire C'est un truc vraiment avec. joli. Je sais pas si ça va rester comme ça, hein, parce que bon, je change beaucoup de choses, mais. Ah, bah pour le moment, on a l'effet de profondeur. Voilà, bon, t'as vraiment fait de la profondeur, quoi. Mais on revient aux bases de ce qu'on faisait à une époque, pourquoi pas. Hein. Mais quand on est en J'en dessous, reviens pas, j'y suis toujours. ça fait colossal, quoi. Comme. Mais ouais. T'es Voilà. colossal. Ouais, ça fait colossal. Bien, allez. Hop, je vais continuer tout ça. Oui, donc, bah, oui, parce que voilà. Bon, mais écoutez, bah, je vous dis au revoir les viewers, les petits amis YouTube. Si vous avez mis la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Si vous avez des commentaires ou des sites de rencontres bizarres, n'hésitez pas non plus, ça peut être marrant d'en discuter, etc. Puis de voir que ça existe. Sans mettre de lien, hein, ne mettez pas de lien, sinon comment ça s'appelle? Ça supprimera votre commentaire, hein, malheureusement. Pour ceux Ah qui se oui. demandent pourquoi, souvent, quand ils mettent des liens, ça supprime. C'est pas pour rien, c'est que c'est automatique, malheureusement. C'est un réglage de YouTube. Et c'est un peu embêtant de l'enlever, on va dire. Enfin voilà. Bon, mais je te dis à la prochaine, mon petit capitaine. Ça marche. Allez, ciao ciao!